Sur la Samus, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on a envie de vite passer sur les winners semi, mais attention, hein, on a un Moussu très très chaud, très très solide. Allez, on part tout de suite en match, messieurs dames, let's go. On va partir sur PS2 du coup pour open ce match. Le match-up est pas simple hein, pour Donkey Kong. Samus peut beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup couvrir, beaucoup d'options. Et beaucoup. Et là on va trouver les premiers pourcentages avec ce petit combo. Ok, on n'a pas voulu finir avec le AB. On veut garder le terrain, le contrôle du terrain là. Et voilà, ça va commencer ce jeu de projectiles, histoire de zoner ce DK, l'empêcher d'approcher. Par contre on a une bonne solution, hein, la dash attack qui peut être vraiment très efficace dans ce genre de match. Ok, on va très très bien. On a gardé le saut, normalement on revient. Oh là là là, on avait tout prévu. Très bien joué, très très bien joué ça. On trouve la première stock rapidement avec un air. Il faut essayer de garder cet avantage hein, parce que Aeroth il arrive directement avec 82%. Le ledge trap de Samus, ok c'est bien tanké, mais derrière il garde bien le terrain hein. Il va couvrir avec ce nerf, on le remet encore dans la sauce. Oh là là là, quel setup de ledge trap. Et on a repris exactement là où on en était dès le début, sauf qu'on a plus que deux stocks. Ok, on tente quelque chose, le premier pourcentage, on trouve le ding dong. Ça c'est pas mal, une grosse phase à 55%. Oh là là, on a tenté quelque chose, ce side B sur la plateforme, c'est pas mal. Faut pas qu'il s'enferme close comme ça, parce que Samus a quand même pas mal d'outils. Ok, on n'a pas eu cette grab. Oh, le upper out of shield, DK, c'est tellement énorme, ça mange le upper out of shield. Hein. Ah, il fait des petits baits des droites, gauches, ce genre de déplacement. On aime beaucoup Aeroth pour ce genre de petit style de jeu. Ok, on a trouvé le ding-dong, ça aura pas pris la stock pour l'instant. Ça reste assez even, hein. Bouscu qui arrive bien à gérer cette première game. On se rôde, on se cherche, on essaie de voir un petit peu quel genre d'information on peut avoir. On a bien temporisé cette petite bombinette. Ok, on se remet par contre situation de ledge trap, on a du mal à en sortir. Ça c'est pas mal par contre, est-ce qu'on peut avoir quelque chose derrière? On va l'emmener très très loin vers la blast zone, mais on n'est pas dupe hein, cette fois. On sait pas avoir quoi. Mais qu'est-ce que je dis? Mais qu'est-ce que je dis? Évidemment, il avait tout prévu. Le dunk pour couvrir et ça se voit avec encore une fois et ça prendra la stock. Ok, on a trouvé 30%, il faut concrétiser sur cet avantage qu'on a créé tout de suite. On utilise le DK Punch, on va jouer un peu plus tranquille, on va lui dire écoute maintenant mon gars, c'est à toi d'approcher si tu veux remettre la même sauce. Par contre, c'est un bon client face à Aeroth. Ok, on a réussi à ce dodge. Ouais, je suis rejoint par la légende vivante. Salut à tous, c'est Chaos, on va le mettre là parce qu'il y a des personnes qui supportent un petit peu... Bouscu, ils aiment pas trop ça. Ah là là. En me mettant là, ils voient pas le match. Donc c'est vraiment une très bonne situation de ma part. Et en tout cas, je suis tout cœur avec Aeroth. Ah ok. Aeroth passant dans une situation un peu compliquée. Hein. Ça a pas pris encore la stock, ce backer, ça survit longtemps et là c'est bon. Ouais, il mange bien, mais quand même. Après, la situation est très très bonne pour moi parce qu'en fait, si Aeroth venait à perdre le match, ouais, bah, ce serait 2-1 pas normal et en plus, bah, je pourrais faire là, la manipulation de raquette et donc faire DQ Aeroth directement et donc passer le tour. Oh là là, mais quelle puissance! Il avait tout prévu depuis le début, mais qu'est-ce qu'il est machiavélique? En attendant, il y a la game qui tourne là! Oh mon dieu! Oh putain! Il est nul à chier, Bouscu. Il avait pas fait que ça, mais. Poubelle, mais là. Il a tout vu. Non, c'était. J'ai très bien vu. Le react était compliqué quand même. C'est là qu'on voit la différence de niveau entre un très bon joueur comme Aeroth et Bouscu. Oh là là, on a notre démon. Aeroth s'est dit, ouais, le match il est hyper hype, etc. Et bah, je vais faire en sorte de faire semblant de perdre sur tout le match. Et sur la fin, je mets un truc hyper stylé, je gagne le match. C'était fort, c'était bien pensé de sa part en tout cas quand même. Et des joueurs comme Bouscu qui sont un peu plus faibles, et bah ils peuvent pas se remettre des choses comme ça. Parce que eux ils ont pas la capacité de remonter. Les mots sont dit, je veux entendre le chat détruire les casters. Mon cher collègue qui s'est fait. Rappelez alors. On passe sur la game 2, même perso. Ok, on va. Samus DK. On va partir où là? On est petite bagarre de violet. Ils sont mignons avec leurs petites couleurs là. Il y en a qui prennent leur perso et leur couleur par rapport au terrain. Là, c'est un terrain vert perso violet. Comme ça, on se voit mieux en fait, je pense. Ouais, c'est ça. On a déjà trouvé 45%, c'est déjà pas mal. On est anti-méta, clairement. Ok, on va punir ça correctement, comme il se doit, avec les formes, on a attendu. Oh, c'est dommage, on n'a pas eu cette punish par contre sur ce trip. Ouais. Oh là là, oh, oui, armure. C'était bien pensé, c'était très très bien pensé. Très il y a eu le temps d'en changer un. Hein. Et pour l'instant, l'avantage positionnel, il l'a. Oh, qu'est-ce que c'était que cette interaction? Pas passé loin. Ça clanque avec le B neutral de Samus, je crois. Ok, il a envie de jouer hype là quand même. Il a envie de faire des petits schmoussages là.
Il a tout donné sur stage guard, malheureusement il s'est fait reverse. C'est pas trop mal, la situation de ledge trap, ça va se faire reverse rapidement. T'as vu cette couverture de Aerod, c'est vraiment incroyable par contre. Oula, on a quelque chose à jouer, on n'a pas tech, on a encore un saut. Ok, on va préférer rester tranquillement sur le bord. Oula, ça a cross up et ça a shield poke, du coup forcément il a pu toucher ce nerf qui est fort hein, quand même. Oh là, ça prend pas le stock. Bien joué. Très fort. Heureusement que Samus, l'armure est lourde quoi, il l'a lesté avec des petits trucs en plomb, comme ça il meurt moins vite, tu vois. C'est vrai. Oh là 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 là, l'attaque de Bouscu, s'il vous plaît. Et Bouscu était très patient, il aurait pu essayer de faire un truc précipité pour pouvoir punir le regrab. Non, non, il s'est dit. Oh là là, il veut passer sur Hitmash lui. Oh là là. Et Bouscu qui met une accélération là, qui va vite se faire détendre par contre par un back air. C'est ça. Il prend le back air, évidemment, c'est mérité. Mais 101%, c'est une belle avance quand même, il faut le tir. Il faut retrouver cette soc maintenant. Hein. Histoire de pouvoir se mettre vraiment bien. Bouscu au fils, le fils illégitime. Oh là 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 là. Par contre ça va pas encore prendre la stock. On a envie d'essayer de lui faire croire qu'on va aller sur ce back air sur le terrain. Ok, premier upbeat of shield qui a été trouvé. C'est vrai qu'Aerod qu'en fait assez peu pour le coup. C'est vrai que il a joué moins autour de ses projectiles et là il va recommencer par contre. Oh là là, ça reverse bien la situation et ça prend la stock. Deux stocks déjà pour qui sont perdus pour Aerod. Oui, ça aurait pu très mal se finir là pour Bouscu, mais heureusement, c'est pas le petit bar et derrière, il arrive à punir. Reward. Il faut faire attention à jouer au tour de Zer parce que ça te met en tech chase et elle est forte en tech chase, Samus. Hein. Elle a les réactions. Ah oui, clairement. Et c'est pas mal. On essaye de venir faire la bagarre. Hein. Il s'en fout, il a une stock d'avance, il se dit il faut que j'engraine les pourcentages. Ok, on joue bien, on joue bien. Oh, la patience d'Aerod. Oh, c'est dommage de perdre une stock sur ce genre de smash. C'est vrai, c'est dommage. Et on se retrouve en la stock, 41% d'écart, ça monte un petit peu, attention. Ça peut reprendre très très vite sur une phase rapide, Samus. Il joue assez carré. Ah, par contre, on a repris cette grab. Oh là 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 là, la phase. On est dans sa tête. 74% comme la haute Savoie, c'est un signe. Ça veut dire que ce que je veux qu'il se déroule, ça va se dérouler. Oh, l'accélération, on a bien bien réagi à ça. Oh, c'est pas encore la mort, c'est pas encore la mort. Évidemment. Faut faire gaffe à pas aller sur reverse. C'est bien. Non, non, Bouscu, dommage. C'est dommage. C'est du BO5 du coup, ouais. Je suis top 8. Oh là 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 là, let's go, je suis top 8. Il avait envie de sa petite image sur le graphe en fait, c'est pour ça. Ça faisait longtemps. Je suis hyper content d'avoir fait top 8 aujourd'hui en tout cas. Bah, il faut dire. Il va arriver, tu vas voir Tony arriver et faire oh, Bouscu, putain. Et après, il repart. Je suis allé en loser assez tôt et malgré ça, je fais top 8, donc j'en suis vraiment fier pour le coup. C'est une bonne loser run, c'est dire. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que j'ai quand même réussi à battre Sakaido, puis Bousculade. Oh, je suis plutôt fier. Non, c'est bien, c'est bien. Il faut que tu remontes un peu, il faut que tu te refasses confiance et retrouver un peu ce petit podium, retrouver ces grandes finales, parce qu'on a des gros clients quand même. Hein. C'est du BO5, j'avais oublié. Mais oui, les gars. Ah, attends, Bouscu peut revenir. Bouscu peut revenir. Oh non. En fait, je suis pas encore top 8, je suis que top 12 pour l'instant. J'adore voir le haut des crânes des deux joueurs. Il reste sur PS2, oui, hein, du coup, on y est à l'aise, on y est bien. C'est ça, PS2 évidemment. Pour l'instant, très très even, ça trouve pas l'ouverture, un petit zère qui va rien apporter. Un peu plus carré sur ce début de game là, il attend un peu plus l'erreur. Déjà, on a un counter pick de couleur du côté de Bouscu. Ça montre quand même qu'il est vraiment pas à l'aise et qu'il se fait détruire. Il lui laisse le violet. Oh là là, ce genre de mouvement, ce genre de jab. Le jab check, comme j'aime bien l'appeler, parce que c'est comme ça que je vais avoir la réaction. Et là, il lui a mis la totale. Il a tout couvert, tout couvert. Et ça lui a permis d'engranger 114%. Oh là 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 là, on est partout. Aerod qui a décidé d'accélérer sur ce début de match. Le smash qui n'a pas tué, vraiment très. Ok, DK c'est très très lourd, je suis d'accord, mais quand même surpris que ça n'ait pas tué. Mais derrière le backer qui évidemment va clore la stock. Il savait, hein, Bouscu qui devrait peut-être ralentir un petit peu, se calmer un peu, parce que là du coup en allant sur cette Samus, il a pris beaucoup de risques. Il va falloir trouver quand même le moyen de résoudre ce problème qu'a la Samus et ce genre de combo, ce genre de phase. C'est compliqué pour DK, hein. C'est pas facile. Clairement, et là c'est quand même la full stock d'avance. C'est là où ça va être très 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 difficile. Parce qu'il va pas prendre de risque en fait sur beaucoup de ses coups. Et ça va être très dur d'aller punir ça en fait. Ouais, et là Aerod qui joue vraiment très très propre. Qui met en grand deuxième back air. Et qui met en l'edgeguard en suicide. Le trade était très très hasardeux. Et il a tué Aerod. Ça va aller le coup, il est allé jusqu'au bout. Mais Aerod qui a pas le temps. Aerod qui a pas le temps, qui force shield à chaque fois. C'est dur de trouver des réponses hein, face à ce genre de play bien carré. Hein. On sent que le game plan est appliqué.
Attention quand même du côté d'Airot, là, ça se prend quand même quelques pourcents, 63-72%, mais une stock entière d'écart. Pression sur le shield, on l'empêche de sortir du corner, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant, ok, on a trouvé une grab, on peut faire quelque chose, ça a été bien tech. Le reverse était parfait. Ah, Airot n'avait pas le temps, 2 minutes la game, il n'avait pas le temps s'il vous plaît. Et autant de tout à l'heure, j'ai crié victoire un peu tôt, mais là c'est cette fois c'est officiel, je suis top 8. Faut le dire. Ça a été annoncé, ça a été call, en espérant que ce soit respecté. Bah, c'est respecté. Y a pas le choix. Ah mais c'est déjà officiel.